Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guéo dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Journal Gazette Créole, retrait la caillou. Mes titres qui ont dominé l'actualité dans le journal ça pour Jodia. Directeur adjoint AGDA Roosevelt réjoui, victimes à kidnapping hier après-midi dans le Catalpa, bloc Delma 75. Individu Axam l'ouvre Koudzam ailleurs lundi à sous un bus compagnie Voix des Anges qui a fait trajet Kay Port-au-Prince, gagné un passager qui perdu la ville alors que gagne deux lotes qui blessés. Attaque ça enregistré alors que commerçant dans ville Kay annoncé il y a campé toute activité à capitale là pour occasion premier anniversaire situation à terre de Matissan pour le mercredi 1er juin. Mouvement ça a fait pour exiger rétablissement sécurité dans rentrée sud pays. Il y a environ 50 chauffeurs et syndicalistes qui victimes à kidnapping, 25 autres mourus, assassinés et puis 102 blessés à balle sous période 13 novembre 2020 pour arriver à 23 mai 2022. Bandi examen de tourner tout en valeur 310 machines d'après chiffre mouvement unifié transporteur haïtien te communiqué hier. Fédération Barreau Haïti mande représentant dans CSPJA pour participer dans une séance conseil là alors que avocat yo en conflit avec association magistrat sous candidature avocat dans poste comme juge dans cour de cassation. Gagné responsable éducation nationale Alessi Maniga accompagné avec un directeur départemental France Etienne et puis représentant UNICEF en Haïti Bruno Maes qui visitait lundi à l'école nationale application et à public Pérou dans Matissan. L'école ça a commencé à fonctionner dans zone là depuis une semaine. BRH, ministère de l'Éducation nationale avec Aflatoum International et puis ministère économie et finance lancé à lundi un atelier national orientation et intégration éducation sociale et financière dans le programme enseignement en Haïti l'a déroulé jusqu'à vendredi 3 juin Cap Vinia. Nous retournons. Une fois encore, bonsoir tout le monde. Technique là, c'est Harry Junior Désir. Et puis, dans le micro, Nativita, Prioli, Pierre-Louis. Nous retournons pour détail information. Yo, directeur adjoint AGDA Roosevelt réjoui victime Zak kidnapping hier après-midi dans le bloc rue Catalpa Delma 75. Roosevelt réjoui présenté comme monde qui est capable de venir directeur général. Administration et général et douanio. N'a parlé qu'on y a de mouvement unifié transporteur haïtien qui dressait une liste et de questions de tout sacrifié pendant l'insécurité à valer terrain dans le pays, surtout dans le secteur transport, dans l'entrée sud capitale en particulier. Plusieurs chauffeurs mourir assassinés ou bien gagné toutes victimes à kidnapping, machines et yon détourné avec toutes marchandises ou mettez du feu là-dedans, mettez sous ça plus passé un certain passager blessé ou bien gagné qui perd de la vie. D'après ça, mute fait qu'on est. On nous suit un reportage avec Michelot et Xavier. Environ 50 chauffeurs kidnappés, 25 mourus en babal, alors que 102 les autres blessés, c'est bilan mouvement unifié transporteur haïtien présenté depuis la situation sécurité pays a vint pas bon du tout et ça a plus passé un an. Pour ça, il y a eu un camion détourné ou bien mettre du feu là-dedans, chiffre élevé à 310 d'après mute qui collectait chiffre ça sur une période sous 13 novembre 2020 pour arriver 23 mai 2022. Du Clos Bénissois, c'est coordonnateur général MUT. Donc on est depuis 1er juin 2021, zone Matissa est complètement paralysée, bloquée, nous ne pouvons pas passer là-dedans. Pour le mois de juin, ça, nous avons environ 61 véhicules qui détournaient, parfois utilisés pour faire barricade. Il y a deux chauffeurs
qui assassiné. Parmi les autobus de kidnappé, il y a 6 camions, 6 tonnes qui étaient transportés carburant. 31 octobre, après Veuve, il y a 2 chauffeurs, 30 citernes qui ont kidnappé. Et c'est un centre météo. 4 novembre, chauffeur Wilner Hiller, il est tué. Et madame, monsieur, il était grièvement blessé. 5 janvier, il était kidnappé. Il y a un aîné, nous, folle de nous chérie, qui passait presque 22 jours dans mes ravisseurs et c'est un sang qui m'était dehors. 1er juin 2022, ça a fait un an depuis Bandi Axam acheté Matissan l'argent comptant et puis fait ça au vle avec ça au pipito dans l'entrée sud capitale là. Depuis de ça, on n'y est pas jamais dit sous situation ça a bon côté autorité, d'après Duc le Bénissois, qui montre qu'il n'est pas content du tout. Pour arriver dans le premier anniversaire, ça, nous avons dit nécessaire pour nous demander tout chauffeur dans le sud. Côté de Carrefour, aller Jacques Mel, aller Grandance, il y a un mouvement, les habitants du sud ils ont lancé pour le 1er juin qui a marqué le premier anniversaire. Nous disons, mettez appui à mouvement ça. Pour journée ça, et pas parce que nous connaissons dans la journée, l'État pral résoudre le problème de sécurité, mais son message qui va le voyer pour dire résoudre le problème non, parce que nous sommes seulement comme victimes. Mouvement unifié transporteur haïtien yo dit l'entendre appuyer tout mouvement protestation qui a bien pour fête, dans l'idée pour dénoncer le climat insécurité qui a gagné école dans tout le pays, notamment mouvement qui prévoit fête dans le sud, m'a dit ça. Secrétaire général de Strictisila, Nemoud Sanon, fait qu'on est, il déjà concerté pour qu'on ait qui réponse sur le bail dans 15 prochains jours qu'a venu là, il prévoit même relancer le mouvement mobilisation. Il faut qu'on bagaille qui fait. Et non, 15 prochains jours qu'a venu là, yo, si pas gagne rien qui fait, nous-mêmes, nous avons concerté la population, nous avons concerté avec l'autre syndicat. Donc il faut que nous joignions en solution à problème ça. Population, hein, nous ne parlons pas seulement pour chauffeurs. Peuple haïtien, hein, pas qu'à continuer à vivre dans une situation difficile, dans une situation insécurité ça en deux pays. Hein. Difficile dans une situation insécurité ça en deux pays. Hein. Et dans le moment même, responsable Mutio t'a présenté bilan victime Zak insécurité, notamment dans notre sud capitale là. Nèg qui te gen gros âme dans main, Louis Koutbal sous bus compagnie Voix des Anges. Dans la zone Matissan, il y a 3 passagers qui prennent balle. Michel Xavier, Vision 2000. Merci Michel Xavier. Et ben bandi avec Zam de Matissan, tu attaqué hier lundi à un bus compagnie Voix des Anges qui a fait trajet au Kay à Port-au-Prince. Il y a 3 passagers qui est blessé et nous apprenons qu'il y a une qui perd la vie. D'après ça, et information fait connaître, on dit président APCH Ameyou Changé qui pat en mesure pour te dire qui est ta victime yoyé, continuer à exhorter à hier lundi à chauffeur pour pas prendre route Matissan jusqu'à ce que autorité décide pour résoudre affaires insécurité en cap et ravager zone ça. Ensuite, déclaration syndicaliste là qui t'a répondu à une question Marie-Guélène Saint-Aimé Macéus. Bon, on doit quitter la station à partir de midi. Il faut aller à destination de Okaï, l'enrichissement du côté bâtissant. Monsieur Otiré, il y a 3 passagers qui prennent la douche. 3 passagers, ça y est, vous pouvez l'hôpital à la région, vous pouvez quitter la santé. Et c'est ça, nous avons comme information. Autobus, c'est Voix des Anges, chauffeur Arrêté Enso, numéro autobus, c'est TP04851, qui t'a pris à l'Okaï. Qui ça qui t'a fait, Mounio, l'ouvrir sous bus là? Nous-mêmes, nous pas sous place, le le chauffeur a dit, mais ça vient très bien, parce qu'il n'y a aucun tiré, parce qu'il n'y a rien. Pendant que l'on dans la zone Matissan, c'est pour ça que je suis déclenché. Et puis, autobus, ça ne va pas être pour le chauffeur. C'est pour le chauffeur. Qui bloque ou dit zone Matissan, c'est pour ça. Comment ça est pour chauffeur? Oui, chauffeur a dit, moi, il est très bien, nous allons aller au Béda pour être carré au juge de paix, pour être capable de constat. Parce que les machines ont déjà tout mal là dans l'île, nous avons fait un bon constat, pour que les balles qui disent, pour nous remplir les formalités légales. Est-ce que vous avez une précision sur quantité de monde qui dans le bus ça. Il y a des 50 passagers qui sont dans l'autobus ça. Ok, mais tout c'était à destination au Kay. Oui, au Kay. Ok. Et c'est 3 garçons qui vont dans le bus là. Là, 3 garçons, 3 passagers. Et à peu près qui l'a joué comme ça? Non, le peu qu'on a information sur nous, mieux, seulement nous connaissons 3 personnes qui vont dans le bus. Je suis déplacé à l'hôpital avec nous. Au moment où on porte, on va se demander au JDB tout pour faire constat. Non pas faire constat à l'autobus mais pour la constater, mon nom qui l'hôpital là tout. On a des précisions sur nous. Mais nous apprenons tout bien parmi blessés ou qui grave. Pour le moment, on a parlé avec vous, nous pouvons cadou qui est à santé. Pour l'hôpital avec eux, moi-même pas sous place. C'est ça que nous devons demander à constater pour nous, pour le cas pour nous. Ok, est-ce que c'est même bus ça pour compagnie et Voix des Anges là qui était ou se voit attaque déjà? C'est même compagnie, mais ce n'est pas même autobus. À jour à fin, nous-mêmes encore nous renouveler la rencontre, nous demander tout un état par les prêts commissariats maintenant pour baisser sécurité pour nous continuer à fonctionner. Nous demander quelle machine privée, quelle publique pour nous éviter zone matin. Premier chef
pour arriver là, qui va faire un an depuis l'état la zone dans Baïba, pour des quatre départements, pour partir dans le département de l'Ouest là. Baïba dit, on va nous demander pour tout le monde pour faire un campé général, à partir du 1er juin, pour camper tout le monde, pour des Carrefour, River, Jérémy, pour tout le monde camper, pour nous montrer contentement, nous pour l'état arrangé, pour avoir mettre la sécurité dans la zone là, pour nous montrer qu'on continue à fonctionner. Campé général, ça vous dit, à comment la fête? Comme nous voulons. Mais quand tu travailles, grève. Oui. Tu avais dit nous annoncer grève pour 1er juin. Oui, 1er juin. Mercredi, à partir de mardi à minuit, pour nous camper toute l'activité dans tout le grand sud-là, de façon pour nous attendre les crimes. Donc nous dit attaque ça enregistré alors que le commerce a vu le CAI annoncé y a campé toute activité dans la capitale là pour occasion premier anniversaire situation de la terre ne mentissant pour le mercredi 1er juin mouvement ça qui a fait pour exiger rétablissement sécurité dans rentrée sud pays a nous suivre détail avec Hans Jean-Louis. Mobilisation a fait pour bloquer grand sud là à qui ont parti dans l'ouest depuis à soir lundi 30 mai 22 ça à 11h59 mouvement ça yo fait dans l'idée pour capable forcer autorité yo résoudre problème Martissan. Ferguson Calix délégué rassemblement commerçant au Caillou mandé tout secteur pour appuyer mouvement ça. Mais je dis c'est mouvement grand sud lié là ça pas capable inquiéter yo parce que grand sud là ensemble tout le même son grand marché lié nous consulter ensemble. Nous sommes groupe WhatsApp ensemble, nous sommes tous d'accord. Nous n'avons pas une nouvelle nouvelle là, qui pas un secret. Depuis les organes, tout le monde vient chez quoi. Quel que soit bus ou bien camion, ou bien papa d'apport de verre. Quatre fois cinq groupes là où il y a. Quand on déclare ou déclare ou on fait partie pas où. Et puis, la population dit la réglée avant. Et un jour pour jour, nous avons fêté l'Angers Sud nous-mêmes. Ouais, nous avons fêté l'Angers Sud de Carrefour, passé par les organes, Jacques Meltigouab, nous avons fêté. Toute la rue, tout côté, c'est terrain basketball, terrain football qui prend là-dedans. C'est ça que je fais. Je viens de ça. Pour aller jouer football dans la rue. À bon couloir pour la police avec ses couristes, la Croix Rouge. Parce que faut que la police, faut que la Croix Rouge, capable de faire travail par là. Nous plus que les gens qui gagnent. Nous plus que putschistes. Les gens qui parlent et pays à marché. Nous plus que oligarques sentis. Donc nous allons montrer ça. Je dis à nous baguer pour nous dire nous payons. Parce que ça encore. Ça tire de connaître, tire de connaître. Donc je dis à la population, hein, les campés en un seul homme, le Grand Sud là, ils même, ils prennent force, les gens qui là, bah en sécurité. C'est vrai, rassemblement. La Nesmi Maniga qui était visité ailleurs l'école nationale application et puis République Pérou qui n'est matissant était accompagné parmi l'autre avec un directeur départemental et Francis Wissel te gain tout représentant UNICEF en Haïti Bruno Maes. L'école c'est là qui recommencé fonctionner dans propre local yo dans zone Sangayon semaine de ça li saluer j'ai fort tout le monde qui contribue qui permettre timoun yo retourner dans sa classe yo dans quartier matissant. Déclaration ministre Nesmi Maniga. Personne content. Oui. Bon, m'a commencé par saluer nous toutes qui là, parents nous, en pile là nous fêter maman nous hier, pas vrai? Oui. Et puis moi très content matin dans nos gouvernement pays pour que moi présent dans l'école nationale application Matissan. Moi saluer toute population qui était campée après en pile discussion avec ministère éducation nationale pour nous ensemble faire rêve population, rêve parents yo, rêve nous-mêmes, vin en réalité parce que matin directeur a tourné la caille. Nous connaît l'école là, t'est fermé depuis mois juin, année passée, mais matin nous pas gagne pour marcher en pile, matin nous là. Moi saluer fort toute équipe direction départementale là, éducation, toute équipe et du Pôle, police communautaire et du Pôle qui présent à Venne et tout le monde dans la population qui permettent que ça réalise. En pile là, en pile là. Moi salue UNICEF qui présent à terre, qui parmi un acteur international qui aide le ministère, fait rêve en pile côté l'école. Pas de cas fonctionner, tout est réalité. Ça pas longtemps, nous sommes la Saline avec numéro 2, Nations Unies. Madame Amina Mohamed et UNICEF est présent. Après 3 ans, population La Saline t'est campée
et le ministère était capable avec eux pour que l'école te relouvre, lycée La Saline te relouvre. Une semaine après, nous avons fait même bagaille dans l'école nationale Cité Soleil, même bagaille là, une semaine après, dans lycée Cité Soleil, et nous comptons tout. Là, nous avons Delma, lycée Daniel Fignolé, malgré qu'on ait des difficultés, a fini l'année l'école là. Matissan est un gros défi, mais population pas jamais perdu. Population pas qu'on perdu bataille, parce que Haïti pas qu'a perdu en génération Timoun. Pays a pas qu'a accepté que quelques côtés Timoun à l'école sans problème, que quelques côtés Timoun pas aller l'école. Ouvert porte l'école Matissan, c'est ouvert porte pour un pit l'autre bagaille ouvert Matissan. Et c'est signal ça, population bail matin. Nous pas longue, moins qu'on est que pays a compté sous combite qui fait là. Pour que la réalité soit possible. Matin, nous venons mettre main dans la combite là. Parce que côté nous là, nous sommes dans une zone non-matissant. Mais son signal, ni population sont non-matissant. Son signal ministère lancé. Son signal PNH à travers et du pôle lancé. Pour que nous disons année l'école 2022-2023, l'école Papton, ni zone nord, ni zone sud-matissant, ni l'école publique, ni l'école privée. Si nous pas de chita la caillou. Place Timoun, c'est l'école. Droit pour l'éducation, c'est un droit fondamental pour tout Timoun dans le monde là, qui n'est pas capable de passer en papier, d'après sa représentant UNICEF là en Haïti, Bruno Maïs fait connaître. Lui-même qui salue, j'ai fait qu'il faut pour permettre Timoun haïtien de reprendre le chemin de l'école, en écouté précisionné. Enfin, bonjour. Monsieur le ministre, monsieur le directeur du département et tous les responsables ici du ministère de l'Éducation, sans oublier les responsables des DuPol, chers parents. C'est avec beaucoup d'émotion aujourd'hui que je m'adresse à vous tous. Je tiens avant tout à vous féliciter, monsieur le ministre, monsieur le directeur du département et DuPol, tous les parents, tous les professeurs et tous les enfants, pour tout le courage et la ténacité que vous avez démontré pour retourner à l'école. Le droit à l'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants en Haïti et dans le monde. Ce droit ne peut être bafoué et je félicite Son Excellence Monsieur le Ministre pour tout le courage, la ténacité et l'appui en cours de développement actuellement pour permettre à tous les enfants de retrouver le chemin de l'école en Haïti. Y compris vous-même, chers enfants, chers parents, chers professeurs, encore une fois, félicitations et merci beaucoup. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance restera à vos côtés, Monsieur le Ministre, et tous vos collègues au ministère, pour vous accompagner dans ce combat et cet engagement sans faille pour permettre à tous les enfants de retourner sur le chemin de l'école en Haïti. L'UNICEF reste à vos côtés. On a parlé de dossier examen et d'état, mais surtout pour les questions sécurité.